Voici la solution pour débloquer le chemin secret de la saga de Sangoku chapitre 2 arrivé sur la planète Namek de Dragon Ball Sparking Zero. Donc en fait, pour débloquer le chemin de droite à ce moment-là précis de l'histoire, ce que vous allez devoir faire obligatoirement, c'est de changer la difficulté en appuyant sur L2. Donc si j'appuie sur L2, là, je suis en difficulté par défaut. Mais si maintenant j'appuie sur L2 une deuxième fois, là, je vais redescendre et la difficulté de combat a été baissée, comme il est indiqué sur le gameplay. Et là, ils disent que les conditions d'achèvement secondaire ne peuvent pas être remplies avec la réduction de difficulté activée. Donc, je ne sais pas si c'est un bug ou quoi, mais si vous diminuez cette difficulté et qu'ensuite vous faites le combat, vous allez pouvoir battre le deuxième personnage. Parce que sinon, le deuxième personnage n'arrive jamais et ça ne vous débloque jamais le combat supplémentaire, enfin le chemin secret. Donc là, regardez, je vais faire le combat et vous allez voir que là, je vais pouvoir tuer le deuxième personnage. Donc là, le premier combat, bah, je me bats contre Jace, normal. Et vous allez voir que quand je vais lui infliger assez de dégâts, eh ben en fait, il y a un deuxième personnage qui va apparaître. Ok, normalement, avec cette attaque ultime, je devrais pouvoir lui enlever pas mal de vie. Ah, je crois qu'il a esquivé. Non, c'est bon, il n'a pas esquivé. Et là, regardez, là, j'ai un changement de personnage. Et maintenant, je me bats contre Burter. Et quand vous aurez réussi à le battre, bah là, vous allez débloquer le chemin secret. Donc là, regardez, quand je retourne sur la map, on peut bien voir que j'ai débloqué le chemin secret. Donc le chemin du haut, c'est le chemin normal, qui est de battre Jace. Et le chemin du bas, c'est de battre Burter. Alors, je ne sais pas si c'est un bug, mais en changeant la difficulté, c'est la seule solution pour l'instant que j'ai trouvée pour emprunter le chemin secret. Donc logiquement, normalement, quand on joue en normal, on ne peut que suivre la ligne principale temporelle, enfin, de l'histoire. Et là, quand on change la difficulté, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne, parce que comme on ne peut pas avancer dans l'histoire en mode difficulté facile, bah, peut-être que là, à ce moment-là, ça nous donne un deuxième chemin. Alors soit c'est normal, ou soit c'est un bug, mais voilà, en soi, je ne sais pas réellement c'est quoi l'explication de ce choix-là.